Allons dans la prison du paradis. C'est chelou comme nom, hein. Bienvenue dans le paradis. On dirait le Harlem Paradise, sérieux. Il va y avoir Luke Cage. Bon, alors monsieur. Putain, mais d'où tu sors, toi aussi? Il y a trop de zombies, là. Ça me plaît pas. Bonjour, désolé, mais moi, j'ai pas signé pour ces conneries. Allez, vas-y. Alors, c'est vrai qu'il a l'air un peu plus puissant. 4-5 balles pour en éliminer un. Ouais. Bonjour, allez, on va tout fouiller, hein. La prison. Ouais, je vais essayer de tout fouiller, hein, de toute façon. Vous savez que moi, j'aime bien fouiller les trucs. Alors, toi, non, tu t'approches pas. Je m'en doutais, Droro, qu'il y en aurait un à gauche. Bon, vas-y. Ma dernière balle, c'est pour toi, John Smith. Voilà, vas-y. Nickel. Bon, alors, sur la table, il n'y a rien. Mais... Mais j'aime bien le truc des égouts qui mène directement à la prison de l'île, c'est juste génial quoi. Comme ça les prisonniers peuvent s'échapper. Donc là on est dans des bureaux. Bon évidemment, Umbrella ils mettent leur logo partout. Ça a l'air d'être un truc important pour Umbrella, hein, cet endroit, hein, cette zone. Oh, regardez, le truc se déplace. C'est quoi cette sorcellerie? J'ai les clés de la cellule. Mais quelle cellule? J'ai un journal, mais quel journal? Journal du directeur de la prison. D'accord. 20 octobre, aujourd'hui nous avons reçu la réponse à notre rapport sur l'incident de l'autre jour, le suicide des 20 cobayes. Le siège s'en a aucun soupçon, ok, voilà. Il est trop tard maintenant, mais je commence à me sentir coupable d'avoir envoyé ce rapport dans lequel j'ai fait passer l'incident de l'évasion pour un suicide collectif. Hélas, aussi longtemps que je vivrai dans cette ville, je m'opposerai au commandant en assurera qu'une mort certaine. Je n'oublierai jamais le sourire sadique qui arborait Vincent en tirant sur les garçons qui tentaient de s'évader de la prison cette nuit-là. On aurait dit un sale gosse qui joue à arracher les ailes d'une mouche. Ah, comme les Ashford! Le commandeur Vincent est un être définitivement sanguinaire, c'est un véritable assassin. Dans ma position, je suis censé apporter la vérité au siège, mais j'ai si peur. Le commandeur Vincent me terrifie, je ne sais que faire. Bah, tu fais des pattes et puis tu fermes ta gueule, fils de ch... Ah, il y a des livres qui parlent d'Ambrella. Ah, tous ces livres qui parlent de parapluie, je comprends pas cette mode en ce moment. Les parapluies, c'est fait pour se protéger, pas pour cette merde. Et d'où vous êtes revenu, vous? Bon, vas-y, fais pas chier. J'ai pas envie de perdre du temps avec ces connards, là. J'ai autre chose à foutre. Mais je vous le dis. Hein, vous le prenez comme vous voulez, mais moi j'ai autre chose à foutre. La clé de la cellule, waouh! Comme par hasard! Ça va mener qu'à une cellule ou c'est là, c'est plutôt des cellules? En fait, rien du tout, hein, visiblement. C'est juste un couloir, hein. Bonjour, monsieur le zombie, au revoir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une corde. Ah, d'accord. Bonjour. Monsieur, vous avez un Marcel? C'est parce que vous appelez Marcel. Je sens qu'il va y avoir un mec qui va me faire un gigabou. Ok. Eh hey, monsieur, vous voulez pas réparer cette manche? Non mais qu'est-ce que... Ah, ces gens de nos jours. Ah tiens, il y a un Michel là. Je peux prendre une canette là? Parce que j'ai soif. Sérieux. Ah, moi j'ai soif, hein. Alors, c'est écrit tellement mal que j'arrive pas à savoir ce que c'est marqué. Je sais pas si c'est par là, j'emprunte, il y avait une autre porte, au pire on revisitera. Alors. Carte. D'accord, ok. Bonjour. Oh, des zombies tout nus! Eh, vous êtes même pas habillés? Qu'est-ce que c'est que cette prison de merde? Y'a même pas des uniformes de tolard.
Bonjour. Ah bah lui il a un... Et pourquoi lui il a un uniforme et pas toi? C'est quoi ce bordel? Tu peux m'expliquer, Robert? On lui a tranché la gorge avec une lame effilée. D'accord. Donc lui il est mort bien avant, on dirait. Je suis pute. Et toi t'es mort comment? Encore aussi? Putain, d'accord. Et toi aussi? D'accord. C'est la mode ou quoi dans le coin? Ah, attends, non. Attends deux secondes. J'ai appuyé sur la mauvaise touche, c'est pour ça. D'accord. Non, tu restes au sol, fils de chien. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on a? C'est le mémo d'un prisonnier. D'un jeune. Ah non, d'un jeune détenu. Ah. C'est comme dans... Code Veronica. 5 septembre, 7 jours sont écoulés depuis que j'étais enlevé dans une rue du Congo par ces hommes en noir pour être conduit ici. Je ne comprends rien à ce qui s'est passé lorsqu'on m'a débarqué, mais j'ai progressivement découvert la vérité sur cette ville. Il semble qu'une somme d'études c'est un endroit pour servir de cobaye à une compagnie pharmaceutique non prenée. Nommé en brûlée. Donc le mec il vient du Congo. La congo-colimisation de loi du marché. C'est dit malou, c'est dit malou. Tous les habitants de la ville travaillent pour Ambrella. Les femmes, les enfants sont de leur famille. Ok. La ville d'Ambrella. C'est Ambrella Island. Manifestement, les combats sont d'origine diverse. Les gars de la cellule voisine viennent de la Chine, celui d'en face du Brésil. T'es conscient qu'il n'y a pas de cellule en face? Hein? On est d'accord, hein? Je veux juste dire ça, il y a déjà des fautes, rien dans le texte, hein? Les autres sont russes, japonais, on dirait le salon mondial de l'anthropoïde. Le plus étrange, c'est qu'ils sont tous sensiblement le même âge que moi. Le plus jeune a 16 ans, le plus âgé doit avoir 19 ou 20. Ces types d'Ambrella nous amènent parfois dans une salle de jeu d'arcade ou dans une boîte de nuit pour nous changer les idées et nous détendre, mais je ne suis pas assez stupide pour me laisser berner aussi facilement. Je dois m'évader de cet endroit à tout prix, il le faut. Pour l'instant, il est important de convaincre mes camarades. 17 ans, mes compagnons ont eu un comportement étrange ces derniers temps. J'ai l'impression qu'ils mettent des drogues bizarres dans nos repas. Ils n'arrivent parfois de perdre connaissance, moi aussi, prudence. Aidez-nous, un autre de mes amis Chine, celui de la a été conduit dans l'usine de la montagne. Je suppose que Chine ne revient. C'est un chinois. Il ne reviendra probablement jamais. Il va subir le même sort que Kana et Jacob qui ont disparu la semaine dernière. Sous les ordres de Vincent, le commandeur de nuit, ils ouvrent le crâne et nous prévient. Ils cherchent quoi. Lorsqu'ils m'ont amené à la boîte de nuit hier soir, il y avait des employés qui discutaient. J'ai pu entrer en conversation. Tout ce que je peux dire, c'est que ce Vincent est un véritable démon. Non, ce n'est pas seulement Vincent. Même les femmes et les enfants de cette ville nous considèrent plus que comme des cobayes. Plus que comme des cobayes et non des êtres humains. Tous les habitants de cette ville sont des démons. Sauf le mec des égouts. Je serai inévitablement tué si je reste plus longtemps ici, nous devons mettre notre chance à exécution. 9 octobre, l'heure est venue, les types d'Ambrella sont bien perplexes depuis une semaine. Il paraît qu'un terrible incident s'est produit dans un laboratoire d'Ambrella quelque part en Amérique. Tous les gardes de la prison semblent tous occupés à gagner des informations et la sécurité pourrait se relâcher. Nos camarades se sont déjà assoblés. Stojkovic et Enriquez sont chargés de voler les clés du gardien. Sankon et moi allons créer une diversion et Yoshikawa et Felipe s'occuperont des armes. 10 octobre, nous avons fixé notre point d'évasion d'opération débutera ce soir à 23h. Les 20 membres de notre groupe seront divisés en deux unités, l'unité A et l'unité B. L'unité A rejoindra les égouts par le conduit d'aération de la salle de confinement, tandis que. Bah là où je suis passé, je pense. Tandis que l'unité B descendra par le mirador à une corde. Ce qu'on va passer, je pense, pour atteindre la route derrière. Nous utiliserons la corde pour qu'ils utilisent. Qu'ils utilisent pour nous éviter le chemin, Vincent n'hésitera pas à nous exécuter, mais si nous restons ici, il leur ordonnera un jour ou l'autre de nous disséquer. Regardez, bon, on sait déjà ce qui leur est arrivé, vu que l'autre document justement mentionnait qu'il s'était fait buter. Ah, la joie, la bonne humeur. Ah, c'est con, hein, j'étais tout cœur avec eux, mais non, ils sont morts. Hein. Ah, il est nul quoi, Léon Kennedy il serait échappé hein, alors que c'était un genou aussi lui à l'époque. Vous êtes juste nul. Bouh, vous êtes nul, bouh, vous êtes nul, vous êtes de bambou nul. Qu'est-ce que je raconte? Bon alors, encore des zombies. Ah non, putain, pourquoi t'as lâché la touche? Elle fait pas chier. Ah putain. Allez, vas-y. Oh putain. Ah j'ai du mal hein, avec ces touches aussi hein. Désolé. Oh un Franchis Pass 12. Ouais bah, j'ai reconnu le Franchis Pass 12. Voilà, par contre la carte.
Ah non, c'est bon. Tranquille. Non, attends, deux secondes, la carte. Y a un autre niveau. Ah, moins un. Ouais, parce qu'il y a l'air d'avoir un escalier. Voilà, juste pour dire. Donc maintenant, on a le Franchise Pass 12, qui, je pense, a des missions limitées. Bon, vas-y, on sort de là. Ouais, au moins c'est cool, on a un fusil à pompe pour pouvoir mieux s'en sortir s'il faut affronter des monstres un peu plus costauds. Alors qu'on regarde, alors le fusil à pompe. Vérifier. Alors, Space 12, fusil à pompe militaire de Franchi Corvation, la porte d'une crosse permet de le tenir à une main. Par contre, un truc que j'ai pas aimé. Les munitions de fusil à pompe aussi ont changé au niveau gueule. Cartouche fusil à pompe destinée au Space 12. Ok. Par contre, un truc que j'ai pas trop aimé là de ce que j'ai vu pour le moment dans le remake, c'est qu'ils ont donné les noms modifiés, on va dire, des armes. Par exemple, le VP, le flingue de Léon du U2, ils lui ont donné je sais plus quel surnom, mais le surnom qu'ils lui ont donné par la suite. Oh putain. Eh, c'est quoi les mecs, vous attendiez comme par hasard que je passe, hein? C'est quoi ces mecs? Franchement, ils ont poussé la porte comme si de rien n'était, et comme par hasard, juste quand je passe, hein. Mais oui. Et vous êtes pas tout nu. Bien sûr. Allez, meurs. Bon, alors, est-ce qu'il y a des trucs? Mais comme j'ai dit, j'ai pas trop aimé ça. C'est un truc, je vous ai pas parlé, mais c'est vrai qu'ils ont, a priori, ils donnent les noms modifiés pour pas avoir de problème, je pense, à de droit et tout comme ça. Mais c'est nul parce que, moi je trouve ça un peu nul, parce que dans le jeu original, il y avait leur vrai nom au flingue. Alors, peut-être que dans leur description, il y aura les vrais noms. J'espère, parce que sinon, je trouve que c'est dommage. Moi qui aime bien qui est les vrais noms des armes, ça fait genre un pas en arrière immense et ça me plaît pas. Bonjour. Alors vas-y, meurs le papillon, meurs. Oh, tu veux la jouer à ça, fils de pute. Ok, il veut la jouer à ça. On va la jouer à ça. Et où mon fusil à pompe? Équipé. Ok. Non. Vas-y, allez. Vas-y. À deux cartouches, ça suffit. Oh, bah c'est cool. Alors, qu'est-ce que... Un homme pourrait pas... Je pourrais descendre si j'avais une corde. Vous avez utilisé la corde. Mais il y avait d'autres endroits à fouiller, non? Pas toi dans ce truc. Eh non! Je suis pas d'accord! Eh les enfoirés! Ah les fils de pute! Ah ça j'aime pas par contre. Ah ça dans... Ah peut-être qu'il y a moyen de passer par autre part. Ah il y a peut-être moyen. On va voir. Ah parce que ça j'aime pas, je voulais visiter le reste. Je savais pas que ça allait faire ça. Oh, bon après j'aurais peut-être dû me douter vu qu'il y avait un boss. Ouais. J'aurais dû me douter. Allez, vas-y. Associé avec les balles de pistolet. Vas-y, on recule. Par contre, j'aime bien la gueule des égouts. Hein. Ça a une bonne ambiance. Vas-y, je vous tue tous. Ah, on peut pas passer. Ah, visiblement, ouais, il y avait vraiment un autre chemin. Au pire, je vous montrerai l'autre chemin. Ah, le petit bruit, hein, où on escalade et tout. Alors ça, c'est dans tous les trucs d'égout, hein, ça on s'en rappelle, Resident Evil 2. J'aime bien la petite musique. Au moins, ils se sont pas fait chier à recycler les musiques. Ça aurait été un peu de l'abus, ils ont juste recyclé les skins. Mais les musiques, c'est vraiment du neuf, et ça, c'est cool. C'est un bon point, il y a de la bonne musique, hein.
Je découvre hein, la musique. Hein, bon, il y en a d'autres qui peuvent vite courir sur le système. Bonjour. Non, vous dégagez. Allez, dégage. Couché. Merci. Allez, ensuite on continue. Il y a pas mal aussi d'armes qui ne sont présentes que dans cet opus en fait. Bon, le Franchise Mazou, techniquement c'est le premier opus où il apparaît avant Code Veronica même. Ah, bah finalement on est de l'autre côté. D'accord. Et vous, monsieur? Eh monsieur, je vous lave la bite. Non, je vous lave la vitre, non, mais vous voulez pas, monsieur, voilà. Voilà. Alors, on continue, on va prendre cette porte. Moi, je me demande quand même qu'est-ce qu'il y avait dans les autres pièces. Il y avait peut-être des trucs sympas. Bon, je crois que je me pose des questions. On reverra en le refaisant. Hein. Je verrai. Hein. Quand je, si je le refais. Sympa la gueule. Oh, l'herbe rouge. Bonjour, est-ce qu'il y a l'herbe bleue dans celle-là? Est-ce qu'on peut être empoisonné? Très bonne question. Elle ressemble à quoi sur la map celle-là? Oh, d'accord. Bonjour, allez, on y va. Chose tranquille, il n'y a pas de lurker comme dans Resident Evil 0, c'est tranquille. Il n'y a pas de crocodile qui vient de nous bouffer, il n'y a rien, c'est tranquille. Il n'y a pas d'Hunter Gamma. En même temps, il recycle que les skins de, du 2 hein, pour le moment, donc. L'alligator. Die, Vincent! Ah, le mec des égouts. Umbrella? Umbrella? Quoi? J'ai pas très bien compris le Umbrella. C'est verrouillé. Ouais, bon, bah le mec m'a enfermé. Je savais bien, c'est lui qui est sorti des égouts. C'est le mec, fameux mec des égouts. Ça pue, y'a un boss, y'a un boss. Oh, y'a le troupeau. Bon ben, face au croco, y a qu'une solution qui marche, on va dire. Déjà on combine, hein, parce que voilà quoi. Et on équipe, surtout. Alors bonjour. Alors. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, allez meurs. Quoi? Deux crocos? Vous avez fumé ou ça se passe comment? Allez. Oh putain. Ah putain, non! Allez, crève! 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 Mais meurs? Crève! Crève! Mais meurs! Mais putain, il va pas mourir ce con. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Je dois faire quoi? Là, j'ai utilisé tous mes trucs, hein. Prendre le pistolet. J'ai utilisé tous mes trucs de fusée à pompe sur le boss. Et sur un seul, hein. J'ai même pas utilisé le reste. Dites pas que vous voulez que je vise la bouche, hein, ça va pas être possible, ça. Ça va pas être possible. Bon, meurs. Vas-y, moi je me casse. Oh putain! Fallait que je vise la bouche! Non mais sérieux. Avec tout ce que je lui ai foutu, il aura pas pu crever autrement. Bon bah le pompe. Adieu. Ah! Umbrella. So this is where the city is controlled from. Ouais. What? Oh! Putain, toi, le doublage, hein. Digne de Resident Evil 1. Vincent? It's... Oh! Oh! What's happening to me? My mother?
mère. Noël, ma mère. Alors, qu'est-ce qu'on a? Visiblement, on aurait pu venir de trois endroits. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est fermé de l'autre côté, fallait s'en douter. La map nous dit quoi? Ah ah! Ouais, on aurait pu venir d'autres endroits. Intéressant. Ouais. On aurait pu venir aussi du fameux club qui est mentionné. Il y avait la salle de jeu qui était mentionnée et un club, le voilà. Bah, ça, on verra justement sur les autres let's play. Enfin, sur, quand je vous referai. Parce que, comme j'ai dit, je vous referai juste pour voir. Hein. Donc. Ça veut dire que donc. Il y a possibilité de pas passer par ces putains de fucking égouts avec le crocodile de merde. Okay. Oh putain, non. On court. Cours. Dégage. Il y a des hunters. Bon bah finalement, le gameplay est un peu plus varié que ce que j'aurais cru. Des balles de magnum. Il y a des hunters. Moi je cours. Hein. Dégagez. Moi je veux pas vous tuer. Ah bah finalement il y a des hunters. Alors c'est les hunter R ou les hunter A? Parce que techniquement les hunter A n'étaient plus vraiment très appréciés. Mais après les Hunter R avaient été détruits sur l'autre truc, donc normalement ça peut pas être eux. Ah ouais putain, mais alors l'action hein, qu'il y a. Eh vas-y on y va. 13ème étage, on y va ouais. Je peux voir sur la map quand même. Ouais. Alors on a le niveau moins 1. Ah d'accord, il n'y avait pas d'autre endroit. Ok. Ah, il y avait un autre moyen d'entrer. Ouais, c'est chou. Donc là on est au niveau 13. Ça marche. Bonjour. Et c'est vrai que j'avais prévu un JDR où justement on allait revisiter certains endroits de Resident Evil, dont ça, dont la pièce normalement qui va suivre, je pense. Ouais, c'est celle-là qu'on aurait dû revisiter. Hello. Pièce incroyablement vide. Can you hear me? Who are you? What are you doing? Answer me! Arrête d'être agressif, Michel. Ouais, cette zone aurait dû être présente. Le fameux bureau, hein. Bon. Donc c'est le bureau de Vincent. Qui a l'air d'avoir affronté quelqu'un. Enfin, le monsieur blond du début. Tout est détruit. Non, il n'y a pas l'autre truc. Bon attends, seconde, je vais lire le journal du commandeur Vincent. Alors, il y a la nuit dernière, des armes, je me suis chargé d'exécuter. Ah, oh, ça c'est bien, échappé. C'était échappé en volant des armes, ok, ça va vraiment. Ça ruinerait mon plan de retour au siège après ma prodigieuse réussite ici. J'ai ordonné au chef de la prison de faire passer un système pour un suicide, mais il faut également que je leur donne de faire face à toutes les personnes impliquées de fraude à cette affaire. Les habitants de la ville qui sont ligués contre moi cherchent maintenant à nous rassembler des informations visant à révéler mes agents au siège. Hier, l'hôte m'a révélé qu'un espion s'était introduit sur le chiffre parce que l'espion doit avoir des rapports avec les rebelles. Mais je laisse agir un moment afin de découvrir pour qui il travaille et pour quelle raison il est ici, puis je l'abattrai. Il était de même malheureux que la seule personne pour laquelle je fais confiance dans ces villes soit le petit lot. Hein. Les citadins semblent prévoir de remettre leur rapport d'accusation à dégagation du siège qui est censé venir livrer les nouveaux cobayes la semaine prochaine. D'accord, ils affirment également de tenir les propres communications, je leur permettrai jamais d'y parvenir. Et je ne pardonnerai jamais aux gens de cette ville. Ils vont apprendre ce qu'il advient de quiconque s'oppose à moi. À présent, ils savent qui est le maître. J'ai répandu le virus T dans toute la ville. J'ai naturellement fait en sorte que cela ait l'air d'un accident. La ville doit être complètement anéantie alors que je peux maintenant retourner au siège d'Umbrella pour de ma prodigieuse réussite dans le complet de protection. Rien ne peut plus s'opposer à moi dorénavant. Quoique, là c'est une personne dont je me méfie cette question. Il faut que j'extermine ce rat qui s'est glissé dans ma vie.
Ouais, bah attends deux secondes. Et donc, il n'y a pas moyen que je récupère l'autre truc, c'est... Il faut que je t'affronte, toi, c'est ça? T'es conscient que... Ah non, il est là! C'est là, le truc. Voilà. Maintenant, je me casse. Je veux pas affronter le tyran. Bon, bonjour. Wouh! Ah ouais, je suis pas fou, je veux pas affronter un Mister X. Bon, quoi que ça peut être facile à affronter, mais encore, j'ai plus de munitions de fusée à pompe. Je préfère quand même mon fusée à pompe. Ouais. 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 La carte magnétique. Ah, visiblement, le truc s'est bloqué ici. Eh, mais poussez-vous. Le rideau s'est refermé. Visiblement. Mais putain! L'ennemi de merde! Oh là là. C'est quoi ces ennemis-là qui te bloquent le passage, quoi, quand tu veux passer? Bah, excusez-moi si j'utilise cette méthode, mais c'est parce que j'ai plus de munitions, si vous avez remarqué, hein, de pompe. Et au pistolet, j'ai pas vraiment envie de me faire toutes ces bestioles. J'aime bien cette musique, au piano. C'est Jean-Michel Jarre, au piano, qui te fait un synthé à la Gilbert Montagnier. C'est classe. Bon, alors là, c'est bon, les ennemis. What? Tu vas me foutre des liqueurs, d'un hunter, d'un tyran. It's me, your mother. My mother. Vincent, please, listen to your mother. I want you to leave Umbrella. I want you to stop performing those terrible crimes and just come back home. What the fuck? Eh, va changer, maman! Il faut que t'arrêtes la drogue! Maman, c'est toi! Maman, t'as rajeuni! Stop it! Let me go! J'aime les petites filles qui s'appellent maman! Chut! Don't be afraid, I'm not going to hurt you. What is the tape you are listening to? Censé être une gamine. On dirait une adolescente. Ah lui ça colle mieux. C'est une lotte même, je dirais. Et comment des gamins ont fait pour survivre aussi longtemps? Mais c'est parce qu'ils sont dans... Maléfique, c'est comme les chats. I'm not stupid. Now stay back, don't come any closer. I know you think that I'm a murderer, but you're wrong. I would never do anything like that. Je suis convaincant avec ma voix pas du tout robotique. Bonjour, mon jeu d'acteur. Ha 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 ha. Bon, l'enregistrement de Vincent. Enregistrement de Vincent. Et nous ne pouvons plus supporter les actes du commandeur Vincent. Pour le choix de ses fonctions, il nous fallait rassembler des preuves irréfutables de ses méfaits et faire un rapport au réfugié. Or, c'est un être aussi réfléchi que prudent. Notre dernier soir, l'acte risqué pour nous était d'enregistrer sa conversation téléphonique. Il a finalement obtenu une preuve suffisante pour le réveiller. Cette cassette contient l'enregistrement de sa conversation sur les vaisseaux du mois dernier. Elle prouve qu'il a lui-même abattu ces jeunes gens, puis tenté de cacher la vérité. En doute, cette bande révèle que Vincent, avant d'être nommé ici, a assassiné son collègue pour s'assurer cette promotion. Ouh, le fils de pute! Donc Vincent est encore plus un connard que la plupart des mecs d'Ambrella. Même Spencer, il aurait peur. Même Mouesquia est frais. Oh là là, tu vas trop loin. Je vais vous faire parvenir cette cassette à la délégation du siège qui sera rien. Alors, seule chance, c'est que lui vivra nous en paix. Ne vous en faites pas. Je m'en occuperai. Ah, Isla Nublar. Ah non, c'est la carte de l'île. Une carte de l'île. Suis-je sur une île? À ton avis. Je pose des questions connes, hein, Michel. Eh ben putain. Qu'est-ce qu'on y va en révélation, hein? Ça aurait dû s'appeler révélation, justement, ce jeu. Alors, je sais même plus ce que je voulais dire. Il y a un truc que je voulais dire. Y'a un trou là. Je sais pas. Alors.
Niveau 13, ok. Un énorme trou. Seule une force pour faire ça. Ouais. C'est cette porte qu'il faut que je passe. Je sais pas. Ah non, il y a un ascenseur. Putain, j'ai failli pas le voir. Ascenseur de cet étage. Oh putain. Quoi? Il est impossible de se déplacer, ok. Ah quoi? L'ascenseur ne se trouve pas à cet étage. On peut pas se barrer par le trou parce que j'ai vraiment pas envie d'affronter le monstre. J'ai pas vraiment envie d'affronter Mister X, hein, vous le savez ça? Fils de pute. Mais j'ai pas envie de l'affronter, en plus t'as vu comment on se déplace. Vite, on court! Putain, mais quel ennemi de merde! Hein. Heureusement qu'il est lent, hein! Ah, il ralentit déjà un peu. Allez, on va peut-être réussir à le niquer parce que faut pas oublier que Mister X à la base il était complètement naze quand même. Ouais, ouais, il est naze, hein. Vas-y, tiens, je t'en reloge une. T'en veux? Allez, vas-y! Oh, des munitions de lance-grenades! Des grenades à acide! On voit le petit bip du truc, non? On fait quoi maintenant? Ah bah voilà! Comme par hasard, il faut attendre qu'on ait niqué le monstre. Quelle coïncidence! Eh, tout le chemin qu'on se fait quand même. Hein. Putain, mais le mec il s'amuse hein, sur le clavier. Mais au moins, franchement, ça, je comprends mieux pourquoi les chats on les voit jamais en fait. Bon, la carte magnétique ça servait à quoi? Parce que visiblement c'est déjà ouvert, je sais pas. Mais les chats on les voit jamais en zombie. C'est parce qu'ils survivent, ces cons, hein, ils sont trop forts. C'est des chats en même temps. Les chats c'est maléfique, c'est comme les enfants, c'est pour ça qu'on les voit jamais en zombie. Eux ils arrivent toujours à se barrer en survivant. Bon bah les chiens, j'ai pas envie de vous abattre parce que la dernière fois, le temps que j'ai perdu, hein. Je vais quand même mater la map parce que sinon je risque de me paumer. Un lance-grenade! Je le lance patate merde! Putain, tu peux pas se faire un petit saut pour essayer de choper ce truc? Allez! Putain mais c'est quoi cet handicapé? Lance-grenade, allez! Au moins j'ai ça. Moi je suis content. Allez maintenant je me barre. On se barre du parking. J'ai pas que ça à foutre. Et comment on se barre du parking? Alors on est obligé de passer par la porte avec la voiture. Ah là là. Ça doit pas être facile. On est de retour en ville. Tatam tam tatam. On est Terminator. Le T-1000. Tatam tam tatam. Non, c'est quelqu'un qui est en train de tapoter avec la machine à écrire pour sauvegarder. Ah, d'ailleurs, on sauvegarde comment dans ce jeu, merde? Ouais, c'est une bonne question ça. Don't be afraid. I won't hurt you. Where's your... Putain, mais entre les dialogues qui se mangent, non mais franchement, sérieux. Mec, t'es trop nul, hein. Il faut que t'arrêtes, hein. Non mais franchement, tu... Ah, on est dans les caniveaux maintenant, à l'endroit où on mérite d'être. Ah, c'est une porte, ça. Ah d'accord, mais franchement heureusement qu'on me le dit parce que sinon j'étais pas sûr là hein, que ce soit une porte. Hein. Bonjour. Et bien ce que je me disais, fils de pute, dégage. Mais putain, c'est quoi ce mec? Eh vas-y, tu passeras pas. Vas-y, tu passeras pas. Eh vas-y, nique ta mère. Putain, c'est Hunter. Hein. Par contre les commandos machin, on les recroise plus. Hein. Bon ça va, tant mieux. Alors là on a des grosses migales. Mais alors genre celle de Resident Evil 1. Ouais pourquoi pas hein. Allez-y, recycler les ennemis aussi du 1 hein. Ouais pourquoi pas tant qu'on y est. Y'a pas de nouveaux ennemis dans ce jeu?
Non! Ouais, je demande ça juste, hein. Ah, tiens, des zombies. Ah, de la bœuf bleue! Y'a la bœuf bleue! Ah, moi je suis content, y'a la bœuf bleue. J'ai pas examiné les bœufs. Bœufs. Vérifier une herbe aux vertus curatives. Tu me dis la même chose de ça du reste? Alors. Lance-grenade M79, une version américaine pour dire qu'il est. Ok. Grenade à l'acide. Vérifier. Grenade à l'acide destinée. Ok. Combien de types de grenades? Alors, 357 Magnum SWM. Ok, donc c'est pas du 44 dans celui-là. En Magnum. Pourquoi pas? Voilà, il combat les effets du poison. Celle-là qui sert à accroître les effets des autres herbes. Bravo! Bon, on est où là maintenant en fait? Niveau map. On est à la maison de Lot. D'accord, carrément. Bonjour. Ça va les gens? Vous voulez rentrer? Je peux vous tuer d'ici? Ou pas? Ouais. Bah, je vais le faire, hein, parce que moi je suis comme ça. Vous rentrerez pas dans la maison de Lot. Hein? Y'a rien à faire ici, propriété privée. J'ai le droit de vous chasser. Ah, y'a la bagnole. Je sens que les parents sont devenus des zombies. Est-ce qu'on verra des meufs zombies? Ça me fait rire parce qu'on voit aucun skin. Alors, on n'a pas de skin de flic, mais visiblement y'a pas de flic, mais on n'a pas de skin de meuf. Alors que pourtant, dans Resident Evil, il y en avait, hein. Qui joue du piano là? Ah, c'est ce piano! Mon dieu, c'est un fantôme qui joue. Bonjour, alors. Ah, c'est les deux gamins, une photo des enfants que je viens de rencontrer. C'est la seule photo assez bien modélisée. Comme par hasard. Qui répond une heure plus tard à ce que je lui ai envoyé. D'accord, je vais peut-être. Ah, une cuisine, je vais peut-être me faire un plat au micro-ondes. Je sais pas. On va fouiller toutes les pièces. Et après, on va se barrer de cette maison. Mais comme par hasard, fallait qu'on tombe sur cette maison. Bon, après, on a suivi les gamins, donc ouais, bon, c'est pas si con que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Je peux observer votre mobilier, madame, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a le zombie qui se roule en boule en train de faire en PLS en mode « Mon dieu, je veux pas manger, mes enfants, mais l'envie me tente !» Bon, excuse-moi, monsieur le zombie. Vous êtes le papa, c'est ça? Oui, maman, vous l'avez bouffé, c'est pour ça vous êtes triste. C'est la première fois que je vois un zombie triste. Des livres sur moi, là. Ah non, visiblement il est pas si triste que ça. Mais vas-y, qu'est-ce que vous faites chez moi? Dégagez là. C'est ça en fait. Si ça se trouve, c'était pas des zombies. Tout était dans notre tête. Depuis le début. Ça me fait penser un peu, vous savez. Ah putain, Silent Hill, ouais, comme dans le 3. Hein? Des monstres? Mais quel monstre, Heather? Tu as fumé? Tu aimes la drogue? Ouais, vas-y. Et je devine, les gamins sont dans leur chambre. Ça, c'était la chambre des parents. Hé, les mômes! Allez! Venez voir tonton Vincent, que je vous nique. Bon, après, j'ai grave spoil le vrai nom de notre personnage, en fait. Hein, ça me fait rire. Ah, tiens, une PlayStation. Et si je joue à Resident Evil Survivor? Survivor. Je suis un peu con. Allez! Il y a des voitures. Qu'est-ce que j'ai? Je journal de Lot. T'as carrément le journal d'un enfant. 10 septembre, j'ai vu des prisonniers aujourd'hui à la salle de jeu. Ils avaient tous les yeux vitreux. Il y avait même une fille qui bavait. Et certains garçons me regardaient méchamment. Ils portaient tous des couvertures et sentaient le pourri. Comme papa et le commandant Vincent me l'ont expliqué, ce sont des gens différents de nos bonnes familles d'Ambrella. Attends, je me... Papa a dit qu'on les avait amenés sur la table pour les opérer, en faire des gens normaux. Je pense qu'il a raison. J'espère pour eux qu'ils deviendront bientôt des gens bien. 15 octobre, j'ai entendu dire que le commandeur Vincent avait tué ces personnes qui ont essayé de s'évader de la prison. Pourquoi ces choses-là arrivent? Je sais que ces gens sont inférieurs à nous, mais faut-il vraiment les tuer?
Oh putain, non, en fait c'est 3ème Reich Simulator, c'est pour ça le beau blond et tout, ah j'ai mieux compris, il est à rien. Tu vois, est-il vraiment les tuer, pourquoi, mais est-ce que j'en croyais? Papa et mon... En vrai, mon papa n'était-il pas censé aider ses propres êtres inférieurs aux opérants? Pourquoi ils ont-ils tué? 23 novembre, c'est la panique complète dans la ville, il y a des monstres partout qui attaquent des gens. Et monsieur Dambola, qui était toujours gentil avec moi maintenant, ont tout à coup commencé à m'attaquer au secours, je vous en prie, quelqu'un aidez-moi. Qu'est-ce qui est devenu de ces gardes? Ils sont morts eux aussi? Mon papa et ma maman sont transformés en monstres. Un des survivants m'a dit que c'est le commandeur Vincent qui a transformé les gens de la ville en monstres. Et il n'y a pas d'autres survivants? Parce que là, il mentionne des survivants, mais il n'y a plus d'autres. Il n'y a que les gamins qui ont survécu. Et le mec dans les égouts. Je peux plus faire confiance à personne. Je dois me débrouiller tout seul pour survivre. Ah, si ça se trouve, c'est le mec des égouts, justement. Tu sais, à tout prix, qui lui a parlé, là. Bon, j'ai échappé de cette ville toutes les deux. D'accord. Ça marche. Oh, tiens, un manga. D'accord, et jeux vidéo. Oh, il y a des dessins. Des dessins de gamins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, il y avait un, il y avait pas une description là? Des jouets. Un lit. Une armoire. Un autre jouet. Eh, je vais ouvrir. Eh, je sais que t'es là. C'est comme dans un film d'horreur, tu sais, j'attaque avec la hache, comme Freddy. Enfin, comme Jason, tu vois, dans le jeu, en détresse. Don't be afraid. I won't hurt you. Where's your brother, Lot? Please, you have to save my brother. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? He said he's going to the factory by the ropeway. Oh, le con. Factory? Une usine. He told me that he could find a way to escape from this place inside the factory. But there are tons and tons of scary monsters there. I know that if he goes there, he's going to be killed. T'inquiète, on va le tuer. Je veux dire, on va le sauver. Ne m'embrasse pas, s'il te plaît. Hein. J'ai pas envie d'avoir ton lèvre. Please. We've already lost Mom and Dad. You've got to help my brother, please. D'accord, Brigitte, 20 ans. I promise. Don't cry anymore, Lily. Lot's bad. What happened to him? I may have been what? A bad person, but that was before. That's not who I am now. C'est quoi ça? I will save these two kids. I swear it. Lily, you hide here. I'll go find your brother and then come back for you. Ça va, je te marche dessus. Non mais le rire qui cache tout en plein milieu, c'était what the fuck. Bon allez. Alors, on va se barrer de cette maison de merde hein, on va la cramer. C'est comme la maison de Frank Castle, on va la faire. On va la cramer, ça va être rigolo. Non? Vous avez... Ah putain, dégage. Vous avez défoncé la grille. Merci, c'est gentil. Il fait drôlement noir là-bas, hein. La map, la texture... j'ai envie de dire, hein. Bon, alors, je devine que c'est là le téléphérique, comme par hasard. C'est bien fait, hein, c'est juste à côté.